match vie. Hop, let's go. Il me faut un cocaster, je m'en fous, tu parles Hugo. Non, il part triplé, j'ai cru qu'il se barrait. Est-ce qu'on peut pas aller ailleurs que derrière le stream, s'il vous plaît? C'est bon, ça y est. Gros loup. Ça y est, c'est un vrai cocaster. Voilà, on est parti. M4 face à Hirot. Tu veux ce siège? Je prends ce siège. Vas-y, tu le veux? Oui. Ouais, parce que. Putain, je fais du limbo alors. Vas-y, fais du limbo. Allez, on est parti tout de suite. Grosse phase d'avantage de la part de M4 qui aura réussi à prendre cette première stock sur Hirot. Il va vite falloir s'en sortir, mais voilà. Le grab qui part, le bon pommel, 146%. Grosse phase d'avantage de la part d'Aerod qui n'aura pas réussi à concrétiser. On se cherche un peu. Voilà, le gameplay Rob, ça spamme les nerfs. Ça n'a rien à regarder, hein. Moi je ne vais pas parler. Si, si, tu vas parler. Non. Mais ça t'intéresse pas le cast? Ben en fait, niveau cast, je ne sais pas quoi dire. J'ai très peu d'inspiration. Pourquoi l'inspi, elle vient pas mal. Allez, reparti tout de suite, une stock, chacun 16% de retard de la peau d'Airod, c'est rien pour le coup, la bonne up throw, ça se cherche encore, une grosse phase de désavantage de la part d'M4, il va vite falloir s'en sortir. Ouais, ça se cherche encore un peu, est-ce que ça va pouvoir couvrir la remontée? Non. Et le Falco d'Airod, j'en fais encore des cauchemars. J'ai joué, genre, j'ai dû faire quelques games contre le Falco d'Airod, j'ai pris Taro, hein. Je crois que j'ai pris une fois. Mais je crois qu'on a fait deux games, moi, avec Airod, contre son Falco, je l'ai pris une fois. Après, le truc, c'est que c'est un perso qui sort pas souvent, en fait. C'est pour ça, et ça nous surprend toujours. Et la seule autre personne qui la joue à Clermont, qui maintenant vient assez régulièrement, c'est Mimir. Oui, mais elle venait jamais avant. Enfin, elle venait jamais avant. C'est la première fois qu'elle vient à Clermont. C'est la deuxième fois, ça fait deux tours. Oui, mais je veux dire, c'est tout récent, quoi. Oui. Elle n'avait pas fait de pause. Mais pour avoir joué en freeplay avec elle, ouais, elle tape dur aussi. Elle tape très dur. Bah, elle décolle du online. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez even entre les deux, hein. On n'a pas, on n'arrive pas à se départager encore. Attention, ok. On y arrive, on va changer de set. Non, c'est bon. On aura assez d'essence, non? Ça s'est SD là, un petit peu du côté d'M4, ça a eu un peu peur. Moi, je t'avoue que je ne vais pas cacher mon soutien à M4. Parce que Airot a dit. Je suis désolé. Parce que Airot a dit. Oh, c'est trop bien, il n'y a pas Gugu ni Twani, comme ça je gagne la weekly. Je m'en fous, moi je serai pour mon CN7 cœur. Je serai pour mon CN7 cœur, je serai pour Airot. Donc moi je serai pour M4 pour que. Bah, pour qu'on stoppe le buzz à Airot justement. Non. Qui pense gagner cette weekly. Par contre, je veux le voir jouer Fox. Avec 98%. Il va jamais jouer. Il va falloir s'en sortir. Ouh, ça a été assez patient, mais ça n'a pas réussi à grab. C'est dommage. Il va vite falloir réagir du côté de M4 si on veut remporter ce premier match. Ça veut rien dire parce que même 20% c'est kill pour 100 pour Rob. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et les Rob des fois ils font des trucs. Format des Zomba. Oh bah voilà. Voilà, n'importe quel pourcent c'est kill pour. Même pourcent en plus. C'est magnifique. Bon bah M4 qui aura fait une très belle remontée. Je pense qu'on va avoir un switch de la part d'Aerot. C'était plus je pense un pick troll. Son Falco il a pas envie de s'éterniser là-dessus. Il faut aussi que je fasse des scènes différentes sur ce Streamlab. Non, c'est des parties d'armes. Alors, non. Il reste sur Airot. Airot s'auto-prend. Ah, c'est infâme. Ça tombe trop vite, c'est infâme. Oui, le Falco de Airot reste très bon quand même. Je cherche la scène où on nous voit. Ah non, je le veux pas. Hein.
Tu vas la voir. Non, 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 non. Moi, je me casse, moi. Arrête. Ah, si. Non, mais arrête, moi, je veux pas. Je me bats les couilles, tu parles. Hop là, allez. Ah, c'est bon, je la mets pas. C'est bon, je la mettrai pas, ça va. Merde. Alors, excusez-moi. J'essaie des choses. Pardon. LOL, Forza X, c'est pas jamais. Là, tu l'as pas fait, c'était en mode. Je suis perturbé. Pardon ? Il fait n'importe quoi. J'y arrive pas. À trouver la bonne scène. Ah, ok, parfait. Merci. Pardon ? Allez, on repartit. Une stock d'avance de la part d'Airot, on est au même pourcentage. Une grosse avantage de la part de notre Falco qui aura pas changé au final, hein. Il sera resté sur son Falco, ça poke le shield, ça passera pas. Il va falloir faire attention à Rob qui a de magnifiques out of shield. Allez, ça cherche encore. Fire!
Allez hein. Bon du coup on se trouve potentiellement la dernière game de 7 hein. Et Rob qui propose un Falco. Je sais pas s'il a joué full Falco aujourd'hui. Non il a joué Samus un peu plus tôt. Donc potentiellement un pic qui est dédié au match-up. Ouais parce que ça renvoie la toupie. Voilà hop. Hop là. On parle du lot. Hein. On s'emmerde pas là-haut. Pas là pour s'emmerder. Donc bon, après bon, quand même faire gaffe, hein. On connaît M4, il y a quand même un très très bon avantage. Donc ça peut partir très vite, puis en plus pour coupler ça, l'avantage de base de Rob est moyen de faire des bonnes choses. Okay. Oh. Hop. Ah dommage, on a été très bas, on a bien space le side B avec le petit dashback, on s'est un peu dormi sur la punish. Ouais, il s'est pris la toupie là par contre, il a même pas vu. Mais là par exemple, c'est dommage que je pense que c'est des trucs qui vont implémenter M4, tu vois, genre pouvoir regarder un peu les robes de Lyon, enfin en tout cas de la région. Genre quand ça se passe, ça, là, le fait de marcher sur la toupie, ouais, non, les types ils se prennent up smash ou des trucs comme ça. Et c'est ouais, ou alors ils se font, combo infini. Ouais, c'est ça. Avec le down tilt. Et là au final, il a juste mis un petit neutral, donc c'était un peu timide, mais bon. 569% sur le Falco, on peut tuer très très bientôt. Mais là on a une petite phase de désavantage côté M4, on arrive à s'en sortir à récupérer le terrain. Ouais, mais pour l'instant M4 il est bien là dans la game. Ça va. Ah, dommage pour le grave. Ah, surtout plus on avance pour notre situation où genre Falco va voilà. Ah ouais. Enfin pas avoir de kill confirmé. Là, il aurait dû essayer de EPR à travers la plateforme. Ouais, les trucs de robe là, ouais. Quand il shark à travers un peu Ridley style, on il joue pas assez robe en fait M4. Ouais. Il joue trop à Smash. Je suis d'accord avec toi, il triche pas suffisamment avec son perso. Et... il triche pas. Bah, en vrai, c'est purement un perso de tricheur, hein, Rob. Et genre, je pense qu'il y a pas un truc dont il peut abuser plus que genre juste le nerf en landing. Ouais, le side B de temps en temps là pour essayer de douiller, mais c'est doux. Bon, pour l'instant, ça marche pas contre Falco hein, pour l'instant. Voilà, en plus, on est bien en prison. Mais Vincent, ce qui s'est passé au-dessus d'un Falco, le type, ouais. c'est les plus grands sauts du jeu, hein, donc il va juste te dire non, quoi. C'est trop dur de sa stratégie, ça marche pas contre Falco. Ouais. Non, enfin vraiment profiter plus. Enfin, personnellement, c'est ouais, c'est genre un perso qui va pas forcément avoir les meilleurs outils latéraux. Donc parfois le forward air ou même le back air comme qui tabasse, hein, mais clairement, je trouve que ces outils en l'air peuvent faire bien plus peur vers le haut. Ouais, encore, il touche au sol. Allez, on reste sur le sol, M4. Un petit fer. Ok, on arrive à trouver un grab, on l'envoie au stage. Ah, dommage. On n'avait pas le temps de punir. Ok, ouais, c'est original. En fait, je pense qu'il a voulu reflect le laser. Ouais, je pense que c'est ça. Il c'était vraiment le bazooka pour tuer la mouche. Aïe, on arrive à cache à toupie into le forward air qui vient encore cette stock. Et là, ça commence à sentir la panane pour M4. Ça va, c'est remontable. Ok, le EPR. Ah non, il est content de snatch. J'ai entendu dire c'est le machine d'Aerot. Hein. C'est Aerot là quand même. Oh. Aerot, est-ce qu'il aurait appris à mâche? Parce que faut savoir que c'est un très mauvais mâcheur il y a de ça quelques mois. En même temps, il faut leur dire qu'il faut utiliser le joystick là. Combien de temps tu vas laisser galérer? Je leur explique. Frère. Chaque semaine, je leur dis, mais prends juste ton joystick un peu vite et c'est bon. Ils sont là, mais j'ai pas envie de casser la manette. Ouais. Alors qu'en vrai, t'as pas besoin de casser la manette en tant que joystick. C'est juste tu tournes le joystick. C'est juste le machine de base et tu t'en sors de. Ouais. On lance en 6 mois. Ok. Oh le bon side bait. Oh le dernier hit qui a touché. Et hop, bon je ferai ça après, j'ai pas envie de rater la fin de la game. Ok, petite phase d'avantage. Oh non, j'ai cru qu'elle allait finir la game instant. Oh, on se prend pas à nouveau ce backer, un petit tabasse. Mais ouais non Hero, t'as l'air de vouloir en finir bientôt. Hein. Hop throw. Mâche papa, ça tue pas, mais qu'est-ce que tu le mérites ce kill Hero. Il revient tellement avec le neutral air sur en landing. Ouais, en plus il vient toujours sur lui hein. Il est fou. Il essaie pas de reset le neutral par moment. Après, ouais. est-ce que c'est peut-être son moment? Est-ce que c'est en reverse sa situation? Ouais. On a trouvé un premier up, on fait reflect le Benotral. Ah ouais, non mais là, il a carrément donné la toupie à Falco, quoi. Et Rot le sorcier, c'est sa toupie. Ok. Il a fait de la récupérer, je crois. il a même trouvé ça. Ah non, ah c'est...
C'est plus toupie. Allez, 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 mec. Ce n'est pas du tout impartial. Non, l'avantage quand ouais, je sens un smash. Tu sais quoi esquiver et le down smash va pas tuer. C'est qui passe. Oh, c'est dur des deux côtés. Non, la bonne café sur la toupie qui trouve le kill. On s'est pas fait avoir côté M4. On l'a vu, hein, ce Dunbe qui l'a renvoyé plusieurs fois les projectiles en edge guard. Et cette fois, on l'a temporisé. Et c'était ce qu'il fallait. On arrive à trouver le kill derrière. C'est bien vu, 2-2 pour cette loser, cette première winner semi. En vrai, si M4 gagne, ça veut dire que nous, on va pas perdre derrière. Ah non, mais c'est vraiment la winner finale à chercher, hein, celle-ci. En fait, ça détermine l'enjeu du match. Bon, là, on part sur Yoshi Story. Est-ce qu'il y a eu un switch de perso potentiellement? On garde Falcao. Enfin, Falcao, pardon. Bon, Yoshi Story, hein, c'est. Je lui mettrai un petit avantage Falcao en termes de map. Pas déconnant vu que c'est lui qui a eu le pic. Mais quand même, faut faire gaffe. Hein, sur c'est une petite map et le roi va falloir quand même trouver des très très bons kills. Je trouve que le choix est vraiment curieux là. Bah, en vrai, l'avantage de Falcao sur cette map, il fait peur. Hein. Oui, mais je trouve que c'est bizarre que M4 l'ait pas ban. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que je me demande qu'est-ce qu'il a ban. Parce qu'au final, je pense que tout ce qui est juste deux plateformes, ce sera plus l'avantage du. De Rob, il aurait juste à banner 3 triplates et il se devrait un peu du souci. Non, c'est vrai que ça peut être très dangereux, hein, pour. Ouais, bah, peut-être en moins, il perdra cette habitude de tout le temps l'aide en air. Ouais, le plateforme peut peut-être l'aider un petit peu. Mais en même temps, Falco sur cette map, vraiment, moi j'ai pas envie de jouer contre. C'est. Là, attention au prochain. Voilà, tu vois, au moins là il est venu par l'extérieur. Ça corrige ses défauts la map. Ok, est-ce que c'est peut-être la solution? Après, en attendant, bon, on a du mal pour l'instant, mais ça reste relativement even, donc 30% d'écart. On sait pas avoir par ce up smash, le forwarder qui viendra catch cette petite option de facile qui a été trouvée. Ou le R. Encore un air un peu bizarre en zone rouge. Hein. Et encore un bouton où il n'y a pas de raison de le sortir, mon cher M4. Hein. Faire gaffe à des avantages, appuyez moins sur ces boutons et juste sur les autres joysticks et. Ok. Parfois ça suffit. Face d'avantage là. Oh merde, il s'est fait reverse. Mais attention, Falco sur Yoshi Story, on en a parlé un peu plus tôt. Le combo qui est trouvé. Attention, il va falloir revenir. Oh, il a voulu spike là, il attendait en bas. Et pas convaincant sur tous les punish. Hein. M4 là, pareil sur le whiff, enfin sur le grab qui était whiff, il y avait moyen de trouver. La game est compliquée là pour lui. Et petit à petit, les pourcents ils montent. Ok, là on a quelque chose, c'est upper. Ouais, non, ça mâche fort, hein, ça mâche fort. Est-ce que maintenant c'est upper? C'est toujours pas upper maintenant. De toute façon, plus s'il continue, à un moment il va la trouver. Hein. Bon, attention, on joue un peu proche quand même de cette toupie, hein, côté Aerot. Aïe aïe aïe, le up smash qui viendra jouer un petit rôle anti-air ici. Et on trouve le kill et on se dirige tranquillement vers une winner finale. Alors côté Aerot, deux stocks d'avance, celui des conséquents. Oh, j'ai un problème de digestion, j'ai trop mal. Ah, je sais pas ce qui m'arrive. Désolé pour le petit blanc. Ok, ouais, bah, c'est vrai que là on se dirige vers 3 stocks, putain. Ok, le nerf n'a pas tardé à tuer aussi, hein, c'est à ce train là, tous les boutons vont tuer. Et voilà, c'est bon. Quel kill exceptionnel trouvé par M4. Ah, c'est l'avantage à 200% d'appuyer sur les boutons et ça marche. Hein. Ah, au moins il peut mettre la toupie en punish le. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, Aerot. C'est bon, il est pas mort. Attends, c'est pas fini, hein. Il est mort. Oh, Aerot. C'est finito, pipo. Ah oui, non mais là il fallait prendre le risque de revenir direct, hein. Ouais, non, là c'est. Surtout qu'en plus, en vrai, t'as pas mal de. Enfin, t'as plusieurs essais pour Rico, tu vois, contrairement à d'autres persos avec Rob. Bon, ça va. Mamacita. On va pouvoir lancer du coup la deuxième winner série.